Coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés car d'ailleurs on est parti pour un nouveau niveau au 100%. Ça va être le 10e. Donc on va aller sur ce niveau-là, on va aller en mode jeu libre. Donc on aura trois petits chapitres. Dans ce premier chapitre, on aura que trois petits mini-kits et un trésor dont j'ai récupéré. Mais j'essaierai de voir pour vous remettre l'emplacement. Le deuxième chapitre, on aura les trois mini-kits et un seul trésor. Et le dernier chapitre, nous aurons les 4 derniers mini-kits, les 2 derniers trésors et le plan de forgeron qui nous indiquera notre prochaine brique rouge. Bah, nous on va commencer par la première et je vais prendre Saruman car c'est le seul, je le dis depuis le début des niveaux, mais je suis obligé parce qu'il n'y a que lui qui fait l'éclatement des briques nitrile argentée. Donc on va prendre lui et c'est l'ordinateur qui me choisit le reste des personnages. Libérez les poneys! Quelque chose avance dans l'ombre en silence. Si notre ennemi est revenu, il faut que nous le sachions. Allez au tombeau dans les montagnes. S'il le faut. Vous allez nous quitter? Si je vous laisse, c'est que j'y suis contraint. Je vous attendrai sur le promontoire, face au versant sud des Rebor. N'entrez pas dans cette montagne sans moi. Pas mon cheval! J'en ai besoin. Restez sur le sentier, ne le quittez pas. En route, il faut y être avant le coucher du soleil le jour de Durin. Tiens, regardez. Oula! Qu'est-ce que tu me fais, toi? Je crois que j'ai vu... tiens, j'ai un nouveau personnage qui peut me faire ça, c'est cool. Est-ce que j'ai... non, tu peux pas. Ah bah oui. Alors, nous avons Radagast, qui peut nous faire que les animaux aussi. Donc il est obligatoire, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Ah bah, ce sera notre premier mini-kit, cool. Le deuxième qui va être... Hop. Qui est-ce qui peut me frapper ça? Bah toi. Hop. Et... Hop! Bingo! Oh, j'ai un mini-kit ici, mes amis. J'ai vu un mini-kit sur la rivière. Donc on vérifie bien qu'on est bien tout pris. Hein. Hop là, voilà. Est-ce que c'est... D'accord, ok. Ok, donc là j'ai... Poids à prendre, voilà. Ça m'en fait 2. Que j'ai autre chose ici? Non, je ne pense pas. Attends, j'ai vu quelqu'un qui peut creuser là. On va voir un peu. Ah, toi, tu sais creuser. Creuse, mon ami. Creuse. D'accord, ok. Nous avons un. Bon, je vais changer. Ah, d'accord, ok. Ça va juste là. Désolé. Allez, vas-y, tu me tournes cette petite manivelle, mon ami. Qu'on puisse essayer d'aller voir un peu ce que ça. D'accord, moi on veut sauter dans le bateau, je saute dans l'eau. Voilà, et j'ai encore failli recommencer la même chose. Voilà. Bon, ça va, c'est assez facile à manier. Voilà. Bon, je disais c'était assez facile, donc ne me trahis pas le jeu. Hein. Ok. T'es bon pour là c'est bon. Ah, attendez. On a quelque chose là. Mon copain avec la pierre là, t'es où? Voilà. Tu peux viser quand même, ça serait gentil. Voilà. Boum 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 boum. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh, attendez. Ah, peut-être le plan du forgeron. Ça serait peut-être le plan du forgeron, ça serait nickel. Non? Ou je me trompe? C'est vrai, avec ma tête, c'est bon, mais je sais pas vraiment ce qu'il peut en être, hein. Carré, voilà. Non, ça, c'est pas le plan du forgeron. Je fais quoi avec ça, moi? Ok. Et j'ai une... Ah, d'accord, ok. Bon, bah, j'ai fait ça dans le vent. J'aurais pu prendre directement quelqu'un qui me fasse du feu. Ça aurait été plus facile. Ouais, bon. C'est pas grave. Alors, on va... pas aller... Attends, toi non, toi non, toi non, toi non.
Qu'est-ce qu'il peut... Ouais, bah voilà, toi. J'ai pas de d'elfe qui peut me tirer tout ça, donc... Voilà, ça m'en fait 3. Non. Toi, non, tu sais pas taper. Il n'y a pas de l'air. Copain, le chauve, comme moi. Mon petit copain, le chauve. Il manque quelque chose. Hop. Ah, dommage, j'avais le bon personnage. Allez, on va prendre notre petit trésor. Car derrière... Allez, mets ta bague. Voilà. Et on va faire notre petite construction. Well. On va l'enlever, hein. Voilà. Carré, maintenant, tu peux taper. Le mini-kit, oui, c'est bon. Il y a l'air de l'autre côté. Il me... toi. Toi, mon ami. Est-ce que tu peux essayer de me... Oh, c'était juste quand même. Alors, on va aller par ici. Bim. Eh ben, on va faire le 100%. Oh, dommage, je pensais que derrière, on aurait pu avoir les pièces violettes dessus. Ça aurait été cool. Mais on va mettre le cambrioleur, il est fait. Ça, c'est bien. On va garder ce même personnage-là et on va y aller pour tourner la plateforme. Voilà. Hop là. Je crois que c'est lui que j'ai. Oui, oui, oui. Bah, on va le laisser, hein. Avec un rond pour mettre... Bon, construction, s'il te plaît. Voilà. On enlève sa bague. Je pense que j'ai plus besoin de lui. Radagast, est-ce que tu peux me toucher ça? Oui, nickel. Et hop, hop, hop. Oup. Oh, c'était limite, les amis. Attends, hop, voilà. Alors, il faut mettre vert. Doom, 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 doom. Bon, perdu, hop. Voilà, on va y aller tout doucement, hein, par, par étape. Ah, je l'ai pas pris assez. Voilà, vert. Et là, il me faut vert ici, le premier. Ah, normalement, j'ai pris, hein. T'es sérieux? Voilà, vert. Eh ben, ça nous donnera notre... le premier trésor que j'avais pris dessus, hein, donc ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui peut tirer. Voilà. 4. Eh ben, maintenant, ça fait mon mini-kit, mes amis. Eh ben oui, ça me fait mon troisième mini-kit. Hop là. Tout juste, mais ça passe. Eh ben... mais qu'est-ce qu'on s'amuse quand même dans les jeux Lego, quand même. Et c'est un peu complexe, déjà des fois, mais on s'amuse bien. Donc ça, ici, bah nous avons tout, hein. Et je crois que ça va être notre petite cinématique qui nous attend. Oula. Il a disparu. Oui, je sais. On continue vers l'est. Mais c'est où l'est? On ne voit plus le soleil. Oh, t'es sérieux? Il faut trouver le soleil. Et il faut monter. Au-dessus de la calvaire. Ah, c'est beau quand même. Eh ouais. Je crois que tes copains sont partis. Ils t'ont abandonné. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool ce que tu fais. Ok. Alors, qui avons-nous là? Quelqu'un qui pourrait faire des flèches, ça serait bien. Non? Bon, toi, alors. Bim. Ah d'accord, ok. Donc ça m'en fait un. Oh, ah, je savais pas qu'il me tuait comme ça, quoi. Toi, voilà. Et il va me falloir prendre l'anneau. On va le mettre. Pop, 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 pop. Carré. Voilà, ça va le tuer. Et voilà, on l'enlève. Hop là. C'est bien comme non. Vas-y. Non mais... Long. Bon, on va le viser, ça sera mieux, hein. Allez. Donc on le vise. Voilà. C'est ce que je pensais et c'est ce que j'aime. Ça peut me faire aussi, hein.
Hop, 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 attends. Non, 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 non. Ah, attends. Attends, hop, voilà. On va libérer Luke, le phare, pour voir un peu plus clair. Voilà, ça c'est bien. Et toi, on va te changer. Non, mais... Non, mais ce que je veux, c'est changer de personnage pour viser. T'es où, copain? Eh, je passe plus. Je vois plus. Bon, vous savez quoi? Hop, on va faire ça. Toi, tu sais. Et on va tirer dessus. Voilà, ça me fait ma deuxième. Ah, j'ai quelque chose, là. Tiens. Allez, hop, on va construire ça. Oh là là, sérieux. Je peux pas me le sélectionner, parce que ça serait quand même mieux. Non. Ok. Oh. Oh, s'il te plaît. Oh. Oh. Voilà. Pour rentrer dedans, j'entends le mini-kit qui passe. Tranquillou. Attends, hop, on va se rechanger en... Toi, voilà. Eh, tu vas pas me tuer, toi. Là. Ah bah. Je pensais qu'on aurait eu plus de mal que ça, mais non, ça va, ça passe, hein. Ça passe, tranquillou. T'as pas ta flèche? Attends. Ah si, t'as ta flèche. Pourquoi tu me les sélectionnes pas? Non. Ça c'est bon. Et tu peux pas me sélectionner. Ok. Bon bah c'est tout, on va y aller hein. Copine. Par là, par ici. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, hop. Tu mets ton anneau. Ton anneau s'il te plaît. Voilà, Bilbon. Voilà, allez, on va leur faire leur fête à eux. Comme ça, au moins, on sera tranquille avec eux là. Et demain, voilà, et on va faire le deuxième carré. Voilà, ça c'est fait. On est tranquille. On va enlever. Toi, normalement, j'ai vu qu'il y avait des nuages. Si on tombe pas, ce serait bien. Voilà. Eh, eh, tombe pas. Prends-le, mais tombe pas. Attends, copain, tu pourrais pas essayer de te toucher, là? Oh là là, eh, il a encore désélectionné son arc. Il est sérieux, quand même. Eh ben voilà, ça nous fait notre cinquième mini-kit, ça c'est cool. Alors, est-ce que... ok. Quelqu'un avec une épée, ça serait bien, voilà. Et donc, et on va faire le deuxième, non? Et le deux. J'aime quand ça se passe comme ça. Et on a encore un autre mini-kit, mes amis. Copain avec son lancer, là. Carré. Voilà, triangle. Et il faut impérativement que je change. X. Hop, hop, hop. Et doucement. Et là, il me faut... Et on rechange, on remet. En anneau, on reprend, on le met, et on va lui faire sa fête à lui. Carré. Voilà. Allez, mange. Un coup d'épée directement dans le cerveau. C'est radical. Et c'est tranquille. Alors, toi, normalement, tu pourrais passer ici. Tu peux passer? Ah, nickel. Oh, nous avons besoin de Gollum. Gollum. Attends, on va te libérer, parce que si ça me fait... Voilà, et là, ça nous fait notre sixième mini-kit, c'est tranquille. Coupe. Coupe. Voilà. C'est dégueulasse. Hey. Je pourrais te tuer, nain, n'en doute pas. Et avec grand plaisir. Par contre, il est faux pas là. Ça le fait pas.
Bon, on se bagarre pas, on reste tranquille. Non. Ah, je crois qu'on en a perdu un autre. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, Alors, tu vas me lâcher, toi. 2 minutes. Oh, bah c'est un passage secret. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attends, on va changer. Ok, donc là, on a tous ça. On a une piscine. Alors, ah, je vois qu'on a quelque chose à construire ici. Nous avons quelque chose à construire. C'est bien ce que je pensais, une piscine. Bon, un jeu Lego. Hop. Ah bah attends, toi. Je serais pas obligé de prendre notre ami Bilbon. X, voilà, c'est bon. Le carré. Et nous allons, à mon avis, le carré. Ah bah ça, un trésor, mes amis. Le troisième, ça c'est cool. Attends, j'ai quelque chose là. Qui peut me faire ça? Non. Ah bah il m'a pas sélectionné, hein. C'est... Il est où notre ami? Toi. Ouais. Toi tu sais le faire. Le rond, voilà. Allez, monte. Oula, c'est quoi tout ça? Ah, ah non. D'accord. Allez, vas-y, monte. Ah, mais je vais trop vite, sérieux. Oh là là. Voilà, et on va le prendre, ça nous fera notre 4e trésor. Donc, on est bon ici, hein. Ouais, attends. Et... Voilà, le 7e. Pourquoi je peux pas le tuer, lui? Ouais. Ah, attends, j'ai vu, il y a un squelette là avec une manivelle. On va aller voir pour la manivelle, hein. Le rond, s'il te plaît, voilà. Et... Ah d'accord, ok, c'est à voir avec ça. Moi, je pensais que c'était un truc bien banal, mais non. Allez, on tourne. On tourne. Et là, ça nous fait notre 8e mini-kit, mes amis. Non, j'ai rien ici. Bon, j'ai l'air d'avoir vidé toute ma zone, hein. Ah bon, on va sortir. On va aller voir pour le reste. Ah, attends, j'ai quelque chose avec pour Bilbon là. Hop, on va prendre notre anneau. Tant que lui il se fait détruire. Voilà, ça c'est fait. Petite construction qui va m'amener. Ok. Voilà. Allez, de l'autre côté, mon gars. Tu t'occupes de Bilbon maintenant? Allez, carré. Le carré, s'il te plaît. Le rond, le rond, le rond, le rond, le rond. Et... C'est tout. Ok. Bon, bah, j'ai fait le premier. C'est déjà pas mal. Le 9e. Et on a un 10e mini-kit, mes amis. Alors, j'ai... Hop, par ici. Voilà, alors on va s'occuper de l'araignée. Le rond. Bon, voilà, c'est bien, nickel. Nous l'avons tué, ça c'est cool. J'aime. Mais je vois que derrière le petit araignée, nous avons un... Qui est-ce qui peut me faire ça? Carré, voilà. Eh ben, c'est le plan. Eh ben voilà, le plan est fait. Il nous manque un mini-kit qui est ici. Alors, le mini-kit, comment on fait? Ok, on est bon là. Alors, attendez, je vois de la magie. Est-ce qu'il me faudrait pas de la magie? Attends, hop, voilà. Allez, hop, tu tapes, s'il te plaît. Ah, attendez. J'ai peut-être trouvé. Parce que ça, ça n'a rien à voir avec le jeu, hein. Radagast, on a besoin de Radagast.
Eh, attends, on... Voilà, on le soigne. C'est gentil quand même. Bon, vous allez me lâcher, ouais. Le triangle. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, oui. Ok. Effectivement, je dois toucher le rouge. Mais bon, ça va être un peu long, hein. Copine. Et je ne peux pas monter, alors... Allez, viens ici. Viens prendre ta petite peluche. Eh non, arrête, sérieux. 6. Bon, je spam la touche, hein, je vous le dis pas. 7. 8. M'en manque une, 2. Parce que j'en ai une qui est buggée là-bas. Alors, ah, bah j'ai eu peur, je pensais qu'il voulait pas. 9. La 10e, t'es où? Ah bah voilà, la 10e elle est passée, elle avait bugué, j'ai réussi à la là. Bah mes amis, nous on a tout eu, hein. Ce qu'on va faire, et bien on va faire sauvegarder et quitter, et on va revoir un peu tout ce qu'on a gagné dans ce petit niveau tranquillou. Alors, qu'avons-nous récupéré? Le nombre de pièces, voilà, par rapport, nous avons Maître Cambrioleur. Oh ouais, ah j'adore ce mot. Nous avons le bâton de sagesse, d'accord. La perruque éblouissante. C'est... Et une bombe d'araignée. Ça, par contre, ça devrait être intéressant, la bombe d'araignée. À mon avis. C'est vraiment, à mon avis, le plan de forgeron. Ça aussi, c'est très intéressant. La lame bombe en mitrique qu'on va aller forger et qu'on va aller voir où caler la mission. Là, ça va être une araignée, je pense. Une belle petite araignée, tranquille. Bah oui, c'était logique. C'était logique, une belle petite araignée. Le nombre de pièces qu'on va dire, pas très intéressant parce qu'on encore plus. Par contre, ça, on en a besoin pour faire les plans de forgeron. Donc ça va nous faire 44, hein, si je me trompe pas. 43, 44 avec le plan. Oh ouais. Et ben voilà, mes amis. Donc ben, on va se retrouver près de la forge. Donc on est arrivé près de la forge. On va aller faire tout de suite avant que la dame nous interrompe. Oui, je sais, t'inquiète, on est habitué maintenant, ça fait 10 fois que tu nous fais notre petite speech par rapport au forgeron. Donc nous, on va aller voir pour le plan. Qu'on va trouver des plans intéressants dernièrement. Oui, la lame en bombe, et on va aller la forger ensemble. Et tout de suite, j'espère... Molo avec le fourneau, hein. T'es pas assuré. On le sait. Le carré... Bien tapé au bon moment. Et voilà, c'est fait. On a été un peu plus vite. Et on va aller voir après sur la carte. Ça, suite. Pour sûr, c'est une petite merveille. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon ami. On va aller voir maintenant ce que ça nous propose sur la carte. S'il veut bien, voilà. Petit enregistrement. On va voir sur la carte. Et voilà les amis, j'ai coupé un peu la vidéo car derrière c'était inutile de vous faire voir le transport recoupé et puis derrière revoir. Donc on est de nuit, on est ici, voilà. Et c'était sur le château, le bâton pour cette plan de forgeron qu'on a construit et c'est juste à côté. Donc on va aller voir un peu où caler déjà. T'es ici, voilà, ok. Non, c'est pas toi, si. Avez-vous pu obtenir la lame explosive en mithril? Votre roi vous remercie. Maintenant, je vais peut-être pouvoir entrer et commencer à régner pour de vrai. Tenez, voici un nouveau gadget à ajouter à votre collection. Merci. Merci beaucoup. Et notre brique rouge qui va nous apporter... musique 8 bits. Ok, bah qu'on a acheté tranquillement. Je pensais que c'était un truc pour détruire tout ça, mais non, ça marchera pas.
J'ai rien, de toute façon, non, j'ai rien. C'est vide. Eh ben, mes amis, c'est malheureusement la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like avec le petit commentaire. Ça me fera plaisir énormément. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche qui va avec pour avoir les notifications de sortie vidéo au temps voulu et en temps réel. Sur ce, mes amis, je vous dis ciao et à la prochaine fois. Bye!